Pour la petite histoire, je vous ai sorti le premier prototype.
Espèce de ça des lockers, ce sont des lockers. Ici le lockers, porte-clé que vous pouvez mettre à vos clés. Voilà. Merci Sherlock. Voilà. On a le porte-étiquette, le lockers porte-étiquette. Et à tout moment, si vous décidez de le passer derrière. Vous en pensez?
pense que je vous ai bien cerné parce que je pense avoir ce qu'il vous faut. Il vient tout juste d'arriver. Il a été confectionné pour exprès pour le pop-up store. Je ne sais plus m'exprimer. Voilà. Oui, le magasin est... Enfin, le pop-up store est ouvert sur 3 jours. C'est une grande première. Mais vu qu'on est une marque jeune, etc., on a envie de faire beaucoup de choses et de se démarquer.
ce pop-up store pour avoir ce contact avec nos clients.
Fera un gros big up à ses abonnés en fait pour leur dire.
Celui-ci, il est à 100 euros et le plus petit, il est à 85 euros. Il est moins cher que l'autre que je vous ai présenté, mais en même temps, c'est pas le même travail passé dessus, etc. Oui, en fait, c'est fait par des couturières françaises, etc. en Bretagne. Voilà, exactement. Ok, vous avez plus le petit coup de cœur pour l'autre. Ok, super. Bon, du coup, je vous l'ai mis sur le côté ici. Vous avez juste à l'amener en caisse. Collègues vont tout vous préparer, votre colis, j'allais dire, pas du tout, mais votre sac, etc. Enfin, vous en faites pas, elles vont très bien s'occuper de vous. D'accord? Vous êtes dans le fichier client? Oui, si vous avez offert un cadeau à quelqu'un à Noël, vous êtes normalement dans le fichier client. Sur internet, oui, c'est ça. Ok, je vais juste prendre votre nom et votre prénom. Sur le carnet, parce que le système, comme j'expliquais à d'autres clientes et clients, le système nous a complètement lâché aujourd'hui. C'est pas si grave, mais c'est vrai que quand on se retrouve sans la technologie, on est un petit peu perdu, quoi. C'est ça. Du coup, vous vous appelez comment? Très bien. Ok. Super. Et votre nom de famille? Est-ce que vous pouvez me l'appeler?
tout ce qui a été créé depuis. Et c'était vraiment un rêve. Et c'est vraiment une marque qui a beaucoup de valeur, que ce soit le côté éthique, le côté écologie, le côté Made in France. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas, juste même si c'est pour prendre connaissance de la marque et me dire ce que vous en pensez. Je suis preneuse, preneuse, preneuse. Sachez que au niveau des prix, je le répète parce que c'est pas clair dans la tête de tout le monde, il s'agit de luxe à la base et la marge normalement dans le luxe est d'à peu près 70%, ce qui est énorme par rapport au prix de production, alors que nous on est plutôt autour de 30%. Vous voyez, c'est du luxe abordable. Je ne voulais pas créer une marque pour créer une marque de plus, faite, je sais pas, au Bangladesh, en Chine ou autre. Enfin, là c'était vraiment ça, et c'est ça l'ADN de la marque, du Made in France, luxe abordable, respectueux de l'environnement, sans souffrance animale, donc vegan, etc., etc., et qui plante des arbres et qui travaille avec de très belles associations comme la SPA.